Salut à tous, c'est Amine et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc je vous sors cette vidéo assez tard dans la journée parce que l'arrivée, enfin c'est arrivé un peu tard aussi du coup la nuit d'ailleurs vu que eux bah, ils sont pas en France du coup bah eux il fait jour bah, pas en même temps que nous. Donc il y a eu des nouvelles informations les gars sur le casino et donc là c'est officiel Rockstar. Donc apparemment on aurait un programme les gars, donc le programme du Diamond, donc ça s'appelle comme ça, programme du Diamond, des récompenses spéciales au Diamond Casino et Hôtel. Donc voilà, Casino and Resort pour les Anglais. Alors, The Diamond Programme. On va lire ça ensemble, on va découvrir ça ensemble. Donc j'ai regardé un petit peu avant pour voir de quoi ça parlait, etc. Donc on a plusieurs statuts, vous allez voir, on va lire ça tranquillement ensemble. Alors, le 23 juillet, le Diamond Casino et Hôtel ouvrira ses portes et compte bien devenir la destination idéale pour se divertir et baigner dans le luxe à Los Santos. Pour célébrer l'ouverture, le programme du Diamond offrira aux détenteurs, eh oui les gars, attention, on aura une carte de membre VIP, un tout nouveau degré d'importance, un tout nouveau degré d'importance, ok, avec un assortiment d'avantages et de récompenses. Vous pourrez passer le cordon de velours à partir du 23 juillet. Alors n'hésitez pas à entrer d'ici le 7 août pour profiter de tout ce programme du Diamond à vous offrir. Alors apparemment, c'est avant le 7 août. D'ici le 7 août, ouais. Je ne sais pas si c'est avant le 7 août ou pas. En tout cas, on verra ce qui dit l'article après. Mais bon, là, moi, ce que je comprends, c'est avant le 7 août. Ok. Donc les gars, on a plusieurs statuts. Donc tout d'abord, le Silver Statue. Acquérir la suite ou récupérer-le gratuitement. Voilà, pour ceux qui savent pas, on peut l'avoir gratuitement. Si vous n'avez pas vu ma vidéo de ce matin, les gars, on peut récupérer le Twitch Prime gratuitement. Donc, grâce à Twitch Prime, on peut récupérer la nouvelle suite. Et donc, ça nous octroie aussi une nouveauté. Donc, en plus d'avoir la suite, on a un accès, du coup, une carte argent, apparemment, le statut argent. En plus de la carte membre VIP offerte avec la suite avec Terrasse, les membres argent recevront le tableau exclusif plein aux as. Donc apparemment, c'est ce tableau. Un chef-d'œuvre moderne à accrocher au mur de votre choix grâce à la fonctionnalité décoration de la section gestion de la suite avec terrasse. Les membres argent recevront également le t-shirt Diamond classique aux couleurs du casino. Ok. Donc apparemment, on gagnerait ce petit tableau, juste ici, et ce t-shirt quand on sera Silver Statue. Étant donné que ceux qui ont lié leur compte Twitch Prime à Rockstar, et bien sachez que vous aurez du coup bah, le tableau, tout ça gratuit en fait. Tout le Silver Statue sera gratuit. Ensuite, on aura le Gold Statue, donc le statue en or. Bon, là c'était l'argent, là c'est le statue en or. Les membres argent qui aident Tayo Cheng, donc c'est bah, en fait c'est le gars avec qui on va faire des missions, à protéger le Diamond d'une famille de Mania Texan corrompus pourront effectuer la deuxième mission en coopération. Alors attendez. Ça veut dire qu'avant on fait pas les missions ensemble? Attends. Non, me dites pas quand même qu'on va pas. Au début, ce sera des missions solo. Je vous crois pas. Parce qu'ils disent qu'une fois qu'on aura aidé, on aura des missions en coop. Donc avant, on n'en aura pas alors. Bon, j'ai pas trop compris. Mais ce que je vois venir, c'est qu'il y aurait des missions solo apparemment. Bon, c'est un peu dommage. Un peu de ménage afin de recevoir le statut or et de débloquer un motif exclusif pour la nouvelle Truffade Terra Trax. Ouais, Truffade Trax. Donc apparemment c'est la nouvelle voiture, c'est celle-ci là. Qu'on voit juste ici. Ainsi que le t-shirt Truffade. Donc voilà. En gros, la nouvelle voiture, c'est celle-ci là qu'on voit avec la demoiselle. Qui a le t-shirt qui est du coup assorti. Bon après bon, je pense que là, ils ont mis la couleur spéciale avec le t-shirt, quoi. Donc en gros, ce serait assorti. Alors est-ce que je sais pas, est-ce que par exemple si je mets la couleur de mon véhicule en jaune, le petit logo il change en jaune. Ça, je pense pas, mais à voir. Ensuite, Platinum Statue. Pour obtenir le statut platine, il va falloir se retrousser les manches. Terminer 5 jobs du casino et gagner une belle somme de GTA dollars ainsi que beaucoup de jetons au passage. Pour le compte d'Agatha Baker, la directrice du Diamond. Ok, donc elle, Agatha, on a enfin des noms. Donc elle, ça, apparemment, c'est la directrice du Diamond. Pour recevoir le tatouage 7. C'est ton jour de chance. Ah ouais, c'est en gros, c'est un jeu de mots. C'est ton jour de chance. Ok. Ainsi que l'accessoire spécial du magasin du casino, la montre Chronos Ara et toutes ses variantes. Ok. Véritable de trésor d'horlogerie. Ok. Après avoir terminé pardon, la première mission en coopération. Ok. Avec elle, du coup. Passer un coup de fil à Madame Baker. Donc, du coup, Agathe, la directrice du Diamond. Afin de commencer à travailler pour elle.
Alors apparemment, une fois qu'on aurait fait l'émission avec Tayo, du coup, on aurait des missions qui se débloquent avec Agatha. C'est ce que j'ai ce que je pense comprendre. Et en gros, quand on aurait terminé 5 missions du casino. Ouais, en gros, quand on termine 5 missions plus. Alors ça, par contre, j'ai pas compris entre parenthèses une grande somme d'argent. Alors ça, c'est... J'espère que ça va pas être un truc dégueulasse du genre, ouais, faut gagner telle somme d'argent au casino pour pouvoir débloquer les missions. Ou gagner, enfin, par exemple, je sais pas, 10 000 jetons plus 1 million au casino pour pouvoir avoir débloquer des missions. Je trouverais ça vraiment dommage de la part de Rockstar. Mais d'après ce que je lis là, ce serait ça, hein. Ce qu'ils disent, terminer 5 jobs et gagner une belle somme de... Alors, je sais pas. Ah non, attendez. Ah non. Terminer les 5 missions et ces 5 missions nous feraient gagner de l'argent. Ok. En fait, ouais, non. C'est ça plutôt, je pense. Ok. Ok, je pense que c'est en terminant les missions, on gagne de l'argent et on gagne des jetons. Ok, je pensais plus c'était genre du fait de... Faut un certain somme d'argent gagner au casino pour avoir débloqué les missions, mais non. Ok. Donc ça c'est pour le Platinum Statue, donc apparemment ce serait elle là, je crois. Agatha, peut-être, je sais pas. Soit elle, soit la meuf derrière là, je sais pas. Ensuite, le Diamond Statue, donc le statue en diamant. Donc ça apparemment les gars c'est le vrai, de vrai, le plus gros statue. Étant donné que le casino, enfin il s'appelle The Diamond Casino and Resort, ou Casino Diamond et Hotel. Donc là ce serait le boss quoi. Donc ça c'est réservé aux membres platine qui n'ont pas... Froid aux yeux, ah ouais. Terminer toutes les missions en coopération pour gagner des motifs exclusifs. Ok. Les membres platine qui hébergent les missions recevront un motif exclusif. Ok. Pour un tout nouveau véhicule hautement convoité. Ok. Les membres platine qui participeront aux missions d'un autre recevront un motif exclusif pour la nouvelle Anis. Ok. Il y a une nouvelle Spar sportive qui va sortir du coup. Donc apparemment, je pense que c'est celle-ci. La Anis S80RR. Travailler ensemble pour héberger la session et participer aux missions de coopération afin de débloquer ces deux motifs. Donc là, ce que je comprends, c'est qu'on aurait des nouvelles missions en coopération, donc c'est pas mal. On pourra faire la mission avec entre babouins, tranquillement. Du coup, des nouvelles missions entre nous afin de débloquer ces deux motifs. Donc on aurait celle-ci, alors elle me fait penser à. Elle me fait penser à une Rolls-Royce. Ouais, le devant comme ça là. Et celle-ci, bah bon, bah pour ceux qui connaissent la Anis qui existe déjà dans GTA, elle y ressemble beaucoup. On a la Anis, je sais plus comment ça s'appelle le nom. Anis c'est quelque chose, et du coup, là, ce serait une deuxième Anis qui sortirait. Ok. Ensuite, toutes les récompenses du programme du Diamond détaillé ci-dessous seront distribuées entre le 8 et le 13 août. Ah ouais, seulement entre le 8 et le 30, sachant qu'on est le 23 demain. La 22, du coup, ça sera... Oh ouais, ok. Donc ça arriverait très tard. Et n'oubliez pas, vous pouvez obtenir la suite classique avec les avantages du programme Social Club X Twitch Prime et obtenir le statut argent grâce au programme du Diamond. Donc comme je l'ai dit les gars, il y a une nouveauté. Avant dans ma vidéo de ce matin, je vous ai dit qu'on allait avoir la suite gratuite. Mais là également, en associant son compte Twitch Prime et Social Club, on a le statut argent gratuit déjà. Voilà. Il y a deux moyens de procéder pour les joueurs qui associent leur compte et du coup demandent leur avantage pour accès gratuit. Si vous terminez votre inscription et que le prix de la suite n'est pas indiqué comme gratuit, donc apparemment quand on sera dans le jeu demain et du coup quand on va vouloir acheter la suite, si c'est pas écrit comme gratuit, on pourra quand même l'acheter. Ils disent, vous pourrez tout de même l'acheter et vous recevrez un remboursement équivalent au prix de la suite classique de base dans un délai de 48 heures suivant votre achat. Ok, donc apparemment pour ceux qui ont lié son compte Twitch Prime et Social Club en retard par exemple. Parce que je sais que dans les commentaires, là, ils m'ont dit, ouais, c'est trop tard, c'est trop tard. Non, non, les gars, ceux qui ont dit ça dans les commentaires, c'est pas trop tard. Là, encore aujourd'hui, il y a un article de Rockstar qui est sorti. Là, il est sorti, il y a même pas, il y a même pas, même moins de 5-6 heures, là. Et bah, ils disent comme quoi on peut encore accéder à la suite gratuite, les gars. C'est pas jusqu'au 19, hein. Parce que c'est vrai qu'on pouvait dire c'est jusqu'au 19, non, non, c'est encore en cours. Et donc là, vous pourrez récupérer. Donc du coup, bah, en gros, si, même si vous voyez que c'est pas gratuit, vous serez remboursé. Mais bon, malheureusement pour ceux qui n'ont pas d'argent et qui ne peuvent pas se permettre de l'acheter, bah voilà. Bah au pire, vous pourrez l'acheter peut-être avec les 1 250 000, peut-être qu'ils seront versés. Autrement dit, le prix indiqué devrait être gratuit pour tous les membres Twitch et actifs du 28 au 1er août. Tant que votre abonnement Twitch Prime est à jour. Ok. Donc si votre abonnement pardon, Twitch Prime est à jour. Et que tout est bon, apparemment vous, du coup, bah, vous aurez tout ça gratuitement. Ok.
Consultez régulièrement la newsletter pour plus de détails sur Diamond Casino ainsi que des informations sur les futurs avantages et récompenses hebdomadaires du programme Diamond. Ok, donc apparemment, toutes les semaines, on aurait des petites récompenses pour ceux qui sont du coup abonnés au programme Diamond. Ok, et bah du coup les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc du coup, on se dit demain pour de grosses grosses vidéos, il n'y aura pas de vidéo comme je vous ai dit le matin. Pour ceux qui se demandaient à peu près la mise à jour, elle arrivera dans les coups de 11h midi. Généralement c'est ça, hein. Rockstar, ça arrive entre 11 et midi, les mises à jour, c'est un peu comme tout en fait. C'est entre 11h et midi les mises à jour. Préparez-vous à une grosse grosse mise à jour, hein. Ça va être du gros, ça va être très très lourd, je pense que ça va être du minimum 3 Go en termes de téléchargement. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas de connexion malheureusement, bah, vous ne pourrez pas jouer directement. Moi j'ai de la chance, j'ai la fibre, donc je pourrais vous faire découvrir ça. Donc rendez-vous demain sur ma chaîne, les gars. Plein plein de vidéos sur le Diamond Casino. Il va y avoir pas mal de choses. Je vais vous montrer quand je vais décorer ma suite, les nouveaux véhicules. Ça va aussi sur la chaîne de la salle. Les nouveaux vêtements, les statues, les missions. Donc, étant donné que là, ça va être très très lourd, attendez-vous à deux vidéos, je pense, par jour. Et bah, toute la semaine, en fait, il va y avoir des vidéos que sur le casino, je pense, parce qu'on en aura, on pourra pas faire tout en une journée, en fait, ça va être impossible. Avec tout ce qu'il va avoir, toutes les missions, etc., ça va être impossible, parce que regardez, là, déjà, on voit plein de missions, des cadeaux. Il y a plein de statues, il y a plein de personnes à rencontrer, il y a plein de braquages. Et déjà ici, on peut voir qu'il y a déjà 5 jobs. Alors, j'imagine pas tout ce qu'il y a. Là, ils nous disent 2 missions. En tout cas, voilà. Je vais pas m'attarder là-dessus 30 ans. N'oubliez pas que pour ceux qui n'ont pas vu, pardon, ma vidéo de ce matin, vous pouvez avoir accès au Diamond Casino gratuitement. Vous pouvez avoir du coup, bah, le casino, en fait, le DLC Casino gratuitement. Pour ce faire, vous allez ici, hop, voilà. Alors. Voilà, ouverture du Diamond Casino. Vous allez sur ce petit lien juste là. Voilà, vous associez votre compte et normalement c'est bon. Donc, moi, quand je vais dessus, vous avez dans voir les avantages de Grand Theft Auto. Et voilà. Ah, récupérer maintenant. Ok. Ah, bah, je vais pouvoir vous montrer comment ça marche alors. Se connecter. Autoriser. Voilà. Et voilà. Tout simplement, fallait juste faire ça. Voilà, maintenant je l'ai. Ok, bah voilà, bah du coup je l'avais, c'est bizarre parce que les jours d'avant je l'avais, mais du coup apparemment là vu que je pense qu'il y a eu les nouvelles, enfin le nouveau programme qui a été mis en place, vous savez le fait d'avoir la nouvelle carte là, qu'ils ont dit, du coup fallait le réclamer. Donc ici quand vous avez réclamé c'est bon, normalement vous l'avez gratuit. Donc rendez-vous demain pour les nouvelles vidéos et moi je dis au revoir.